Bonjour, nous sommes présentement dans la ville de Fuzhou. Cette localité a vu naître un grand artiste du nom de Tang Xiangsu. C'est un grand dramaturge chinois que l'on a surnommé le Shakespeare de l'Orient. Suivez-moi pour connaître davantage ce grand homme. Il faut souligner que Fuzhou a toujours perpétué une tradition culturelle. Ici, dans cette salle, se jouent régulièrement des spectacles d'opéra. Comme vous le constatez, les spectateurs s'installent déjà. Toujours inspirés par le rêve et le cœur, les pièces de Tang Xiangsu racontent souvent des histoires d'amour émouvantes, exerçant une grande influence sur la culture locale. Je vais maintenant entrer dans son rêve. Ouf, j'ai été transporté dans le monde merveilleux de Tang Xiangsu. Je me suis mis dans la peau du personnage principal du pavillon au pivoine, la pièce la plus connue de Tang Xiangsu. Cette pièce est jouée sous une forme d'opéra appelée Kunqiu. Le Kunqiu est né sous la dynastie des Yuan. Il s'agit d'une expression artistique qui combine chant, danse, performance vocale et d'autres formes culturelles. Quel spectacle éblouissant, extraordinaire, qui transporte dans un autre temps. Rendez-vous pour d'autres aventures encore plus croustillantes.